dans ce nouveau vlog. J'allais dire je vais me préparer mais non, je suis prête hein, je viens de me préparer. Je vais préparer Mila qui est en train de se réveiller je pense de sa sieste. Je vais aller la chercher, je l'habille et on part avec papa faire un tour au Grand Pré à Mons et surtout chez Ikea parce que j'ai vu une ou deux choses que j'aimerais voir de mes yeux en fait. Ça c'est le chien que j'aimerais voir de mes yeux, du coup voilà, c'est le programme de la journée, assez simple. Alors oui, aujourd'hui c'est pas du vert fluo, c'est du violet, hein. Toujours aussi bizarre, toujours la même marque, Black Up, voilà. Mais j'aime bien, moi je trouve ça drôle, ça change. Alors au final, on est en voiture, là elle est là, ça va mon chéri? Ça va mon bébé? Ah mais non, tu prends pas le téléphone mon cœur, Mila elle aimerait bien avoir mon téléphone mais... de ralentir tout ça parce qu'elle le demande trop souvent et je veux plus qu'elle qu'elle regarde trop les dessins animés sur le téléphone. Voilà. Du coup on est sur les super autoroutes belges hein, comme vous pouvez le remarquer. Ça me rappelle le Touquet 2014. En fait on va chez OK, donc c'est un magasin de meubles à Mouscron en Belgique. Et c'est un magasin de meubles où il y a toutes sortes de styles, mais il y a pas mal de trucs design. Notre canapé vient de là-bas. Il y a pas mal de choses qui viennent de là-bas. La garde-robe, ouais, qui est dans le salon pour le moment parce qu'on n'avait pas de rangement dans le salon, bah voilà, elle vient de là-bas. Ils font des super trucs. Et j'ai repensé à ce magasin pour la simple et bonne raison qu'hier ou avant-hier, quelqu'un dans les commentaires, je ne sais plus qui, je suis désolée, m'a parlé de ce magasin, m'a dit tu devrais aller jeter un coup d'œil là-bas, c'est trop joli. Et du coup, oui, bien sûr, je connais OK, j'adore ce magasin. On a acheté pas mal de choses dans ce magasin quand on a emménagé dans la maison dans laquelle on est pour le moment. Notre ancien lit vient de là-bas. Notre ancien lit aussi, qui est toujours chez nous, mais dans le grenier pour le moment, et qu'on va réinstaller dans la chambre d'amis, dans la future maison. Voilà. C'est un lit avec des diamants dessus. C'est le même que le nôtre, mais en noir. Trop bizarre avec des diamants, il est trop beau. Et voilà, du coup, on va jeter un coup d'œil là-bas. On va sans doute repasser, du coup, comme je l'ai dit, au Ikea, mais on va aller à celui de l'homme à côté de Lille. Mais je suis pas certaine qu'il y ait les lampes que je veux en France. Je pense que c'est en Belgique. Tu sais plus, on était allé à l'époque en Belgique et ils les avaient pas. Ouais, parce que je cherche un luminaire, en fait, le même luminaire qu'il y a dans d'autres chambres qui vient de chez Ikea mais que j'ai acheté il y a 10 ans. Bah, on le trouvait plus. Et là, j'ai l'impression qu'ils l'ont ressorti. Et s'ils l'ont ressorti, c'est les luminaires que je veux mettre dans notre futur salon. Il faut deux, il en faut deux. C'est pas cher, c'est genre 30 euros pièce et c'est pas cher pour un luminaire comme ça. Et c'est un truc design en plastique, enfin vraiment le genre de truc que j'adore. Donc une copie d'une grande marque, si ouais. C'est fortement inspiré. Ouais, c'est une copie d'une grande marque, mais ils ont eu les droits pour les sortir, donc je sais pas, ils ont dû racheter la licence, j'en sais rien. Ceci étant dit, je veux les retrouver absolument, mais je crois que c'est qu'en Belgique et du coup on va à celui en France, on verra bien. En tout cas, comme d'habitude, je vous emmène avec moi et vous allez voir ce magasin OK à Moncron qui est vraiment super bien. On vient d'arriver, c'est là. Pimpon. C'est pas un pont effectivement. J'ai déjà vu ça quelque part. Pourtant je l'ai pas acheté ici. Bon, j'ai fait quelques achats chez OK, j'ai pas pu m'empêcher. Alors vous allez avoir un gros indice sur la déco de mon futur bureau. Voilà, j'ai pris ça, donc ça va être pour mon futur bureau, ça vous donnera un petit peu les couleurs. C'est un cadre en plexi et en fait ça fait un relief. Je sais pas si vous voyez derrière, enfin ça se voit pas bien sur la photo, mais en fait derrière ça fait des petites barres et ça fait un espèce de cadre en relief. J'ai pris ça, donc il y en a pas que 4, il y en a 16. Et en fait c'est pour mettre sur le mur, c'est pour décorer le mur et c'est en métal, c'est vraiment trop beau. Ça s'attache avec des petites vis derrière, c'est hyper joli. Et je pense que c'est par 16 comme je vous disais, je pense qu'il y en a 16 à chaque fois. Donc j'adore. J'ai pris les mêmes en doré mais en triangle parce que j'ai flashé sur ce concept de truc. Et ben, ce sera sans doute pour le salon, on verra bien. Et toujours pour mon bureau du coup, j'ai pris ça. C'est toute la même marque.
et j'adore, je trouve ça magnifique. Donc c'est écrit Paradise, je sais pas si vous voyez bien, et je trouve ça méga joli, je trouve ça vraiment trop beau. On vient d'arriver à IKEA. Location longue durée pour 1 €. Bon, IKEA, c'était pas terrible. La lampe que, enfin les suspensions dont je parlais, elles sont vachement plus petites que celles qu'on a, donc c'est pas du tout la même version que j'ai achetée il y a quelques années en arrière. Elles sont quand même belles, mais elles sont trop petites pour ce qu'on veut faire, donc voilà. Et du coup là, comme on est sur l'île, ben on va aller manger des sushis. Mannequin challenge, 6 mois en retard. Maman, papa. J'essaye depuis une demi-heure de télécharger une nouvelle application sur mon iPhone et ça ne fonctionne pas, je suis ravie. On est rentré, ouais, il y a une petite demi-heure. Je prends Doudou et Tutute et je vais rejoindre Mila qui est eh bien déjà au dodo mais qui ne dort pas encore. Je l'entends faire le bazar. Mila, elle fait du drone. Il n'y a plus de batterie, hein, je vous rassure. Elle a quand même réussi à allumer la commande tout à l'heure. Hein. Ouais, le super drone d'appartement. Ouais, le drone de poche. Quand est-ce que tu veux t'acheter ton drone? Mais il est toujours pas sorti celui-là. Non, en fait, les Chinois, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Là, ils laissent passer le nouvel an chinois. Et normalement, ça devrait arriver. Il avait promis pour fin novembre et on est mi-février. C'est bien, les mecs, vous avez bouffé une Rolex. Vous êtes à l'heure. Ouais, du coup, on attend qu'il sorte pour qu'il puisse l'acheter. Si pas, faudra que tu prennes l'autre. Non, je prends pas l'autre. Enfin, je pourrais déjà l'acheter, l'autre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me faut un sac à dos en plus pour le trimballer. Mais c'est pas grave, c'est pas comme si tu partais au fin fond du désert avec le drone quoi. Enfin... Ouais, mais le Mavic il est tellement bien, il y a tellement plein de fonctions. Bah en attendant, si ça tombe dans 6 mois, il est pas ressorti. Hein. Tiens maman. Tiens maman. À part ça, y a des choses. Je vous ai pas fait la vidéo, vous allez m'en vouloir. Je sais que certaines personnes l'attendent. Je vous ai pas fait la vidéo des cadeaux d'anniversaire joués, j'allais dire. Des cadeaux d'anniversaire de Mila. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps. Et franchement, Mila, elle est en train de regarder Shrek et elle est en train de rigoler. Ne descends pas, tu vas tomber. Hein. Ah bah oui, t'as mis ta main dans mon truc. C'est malin. Du coup, je vous montre. Ça, c'est quelque chose qu'elle a reçu par Sarah. Sarah, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Le petit pantalon skinny, regardez-moi comment c'est trop mignon. Jusque-là, bon, c'est un jean. Mais regardez le bas. Ah, c'est pas trop mignon, ça on dirait vraiment les jeans comme j'ai pour moi. Et Sarah m'a aussi offert cette veste qui est super belle. Enfin, c'est pas pour moi, hein, c'est pour Mila bien sûr. Trop jolie, magnifique cette veste. J'ai pas encore eu le temps de gérer. Et une autre amie, en tout cas la... La petite amie d'un super pote à moi, qui est super cool d'ailleurs, m'a offert ça. Donc ça vient de chez Okaidi. Je te la sors mais je sais pas te l'enlever. Donc tu la regardes comme ça. Tu la regardes, tu la laisses dans le paquet. Elle a des beaux cheveux hein. Mmh. Et du coup elle savait pas la taille que Mila pouvait faire. Même si elle connaissait son âge, elle lui paraissait super grande. Et donc elle lui a pris du 4 ans je pense. Donc c'est hyper joli mais c'est méga grand. Donc bon c'est pas très grave hein, je le range pour plus tard. Mais par contre c'est hyper joli. Un truc de dingue. C'est le petit pull comme ça, hyper beau avec la petite jupette. J'adore, c'est magnifique. C'est vraiment le style de truc que je mets à Mila. Et Mila elle est en train de chipoter à ça qu'elle a reçu au meet-up. Encore merci pour ça d'ailleurs. Oui, c'est joli. Et alors ça, j'adore. J'ai trop hâte que Mila n'ait plus son plâtre et que ses pieds soient rétablis, on va dire. Enfin, son pied. Pour voir si elle aime bien ou pas. Du coup, je me rappelle jamais du nom, mais ça s'appelle une draisienne. Et plusieurs personnes en commentaire d'ailleurs, enfin plusieurs d'entre vous, m'ont dit que les draisiennes, ça les avait aidés, ça avait aidé leur petit enfant à... à plus vite faire du vélo, enfin à directement passer à des vélos deux roues au lieu de vélos avec des petites roues supplémentaires, vous voyez. Donc c'est plutôt chouette, ça leur apprend l'équilibre en fait. Donc j'espère qu'elle va bien aimer parce que Mila, tout ce qui est
voilà, tout ce qu'il faut faire, aller ses jambes et tout, ça a jamais été trop son délire. Après, on verra bien quand elle aura plus son plâtre. J'ai tellement hâte qu'elle ait plus son plâtre. Regardez comment elle est trop jolie. C'est la fée Clochette. Fais-lui un bisou. Fais-lui un petit bisou. Oh, c'est bien. Je vais éteindre les lampes, reprendre les jouets. Ça va pas être chose facile. Waouh. J'espère en tout cas que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude si ça vous a plu, bien sûr. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et on vous dit à demain pour un prochain vlog. Gros bisous.